Les infirmières et infirmiers libéraux sont en colère. Ils ont manifesté spontanément ce matin à Cayenne devant différentes instances avec un cortège de véhicules en klaxonnant. Ils déplorent le manque de protection, de masques et de gel hydroalcoolique, des personnels qui sont souvent au chevet des malades. Ils souhaitent également que les messages véhiculés par l'ARS soient traduits dans les langues des différentes communautés qui vivent sur le sol guyanais. Écoutons Christiane Mayen, la présidente du syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux, propos recueillis par Claude Innocent Hegel au Wassim. Nous n'avons pas de matériel pour travailler. Hein. Nous allons dans des squats où les gens ne respectent pas. Il y a absence de messages en plusieurs langues par rapport à notre communauté qui est sur le territoire. D'accord ? Nous sommes vraiment démunis. Et quand on va chez les patients, ils nous disent que si nous n'avons pas de masque ou si nous sommes pas assez convaincants, on ne rentre pas chez eux. Donc on est obligé de leur expliquer qu'on est au stade 1. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.